Danke mal und ciao. Your tracks today. D'abord remercier ce formidable comité des mises en retraite qui a réussi ce bel événement 55 ans après la création de cette école, une première je le rappelle. Et tout de suite je vais vous donner le programme. Le programme, nous commencerons par le discours d'ouverture qui sera fait par Madame la Présidente de l'Association des Anciens du Complexe Scolaire Cardinal Malula, Madame Clara Kalala Lusamba. Et bien sûr l'école qui est à l'honneur, l'école qui nous a tous formés, est ici représentée et aura son mot à dire par rapport à cet événement. S'en suivra la présentation de ce qui est prévu pour nos retraités, que vous connaissez, qu'on ne va pas vous le présenter, vous connaissez. Et puis il y a aussi des témoignages, des élèves que vous êtes, vous avez... des témoignages, peut-être sur le professeur Mwamba Basson. Qu'est-ce qui vous a retenu pendant toute la période où vous enseignez, qui vont nous rappeler de bons moments, nous ramener des années en arrière, c'est ce qui est prévu également. Et il y aura la remise des cadeaux. En effet, cette association a prévu cette bonne retraite avec la remise des cadeaux que nous allons tous découvrir au cours de cette soirée. Et pour que cette soirée se matérialise, qu'elle se concrétise comme la vivons aujourd'hui, nous avons eu l'appui, le soutien de quelques sponsors. Ils sont là avec nous, on va leur donner la parole. Ils vont dire pourquoi ils ont accepté d'accompagner les anciens, les AM, les anciens de Malula, dans cette belle initiative. Et bien sûr... pour célébrer en beauté ce bel événement. Et pour un si bel événement, un si grand événement, il fallait bien sûr un grand orchestre. Le groupe mythique Zaiko Langalanga du Sosar Nyokalongo est avec nous ce soir. Plus de 50 ans d'existence, il était tout à fait normal avec l'école Malula qui a plus de 55 ans d'existence, qu'on puisse s'arranger pour que Josar Nyokalongo célèbre avec nos professeurs leur bonne retraite. Mesdames et messieurs, nous vous demandons maintenant d'accueillir avec nous la présidente de l'association, Madame Clara Kalala Lusamba, l'initiatrice de ce beau projet, un projet qui a reçu l'unanimité de tous, et qui se réalise ici ce soir au Sultani Hotel. Madame Clara, passez par là, merci beaucoup. On l'applaudit, on l'encourage. Hein? On encourage cette dynamique présidente des AM à qui nous donnons la parole. Mesdames et messieurs, chers AM, distingués invités, bonjour. Je dirais même bonsoir. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence pour honorer la mémoire de nos professeurs qui nous ont quittés cette année, s'il vous plaît. Merci. C'est avec joie et fierté que je m'adresse à vous. Comme jadis dans le temps, chaque jour, de 7h15 à 12h30, de lundi à samedi, de septembre en juillet, nous étions toujours ensemble dans la cour de l'école. Oui, nous étions ensemble, ensemble pour apprendre, ensemble pour être éduqués, et nous nous trouvions face à nos professeurs chargés de nous transmettre le savoir, nous donner les bases nécessaires pour que nous puissions être capables de nous battre et d'exceller plus tard dans la vie avec, en complément, les études universitaires et ensuite la vie
professionnels. Ils sont la quatrième façade de mur de notre maison en ce qui concerne l'instruction et l'éducation. Étant donné que les autres façades de l'édifice sont nos parents qui ont eu la bonne idée de nous inscrire au complexe scolaire Cardinal Malula, Molindé. Qu'il est exaltant cette œuvre de formation à laquelle se sont attelés pendant des années les uns se relayant aux autres, maîtres de l'école primaire, professeurs de l'humanité et bien plus tard, professeurs à l'université. Que ces patients et infatigables artisans à qui nous devons tout, veuillez trouver publiquement et aujourd'hui pour l'éternité l'expression de notre profonde gratitude. En dépit du prix élevé, cela ne valait-il pas la peine? Comme disait le penseur Robert Urbain, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Oui, nous avons eu cette base et voici que nos mentors de l'école maternelle, primaire et secondaire sont prêts à se reposer. Donc, ils prennent leur retraite. On nous donne dans la journée 86 400 secondes pour dire merci. Et nous prenons aujourd'hui un temps et nous nous arrêtons justement pour le faire. C'est 2 octobre 2021. Merci, cher professeur. Nous venons donc de faire prendre conscience aux professeurs qu'ils ont de la valeur à nos yeux et que nous leur sommes reconnaissants. Nous leur sommes redevables. Nous avons voulu ces jours leur exprimer notre gratitude par nos modiques dons. Nous vous sommes redevables et sans qu'ici répétition soit redondance, vous redire merci à plusieurs niveaux. Mais à tout Seigneur, tout honneur, nous disons merci du fond de notre être et saluons la mémoire de son éminence, le cardinal Joseph Malula, le père fondateur de l'école. Son rêve de créer une école d'élite, une école d'excellence pour la formation des hommes et des femmes qui seront toujours à la poursuite des valeurs supérieures en donnant les meilleurs d'eux-mêmes, tant sur le plan privé que professionnel, et ceci partout où ils seront. Et pour ce faire, le cardinal Malula, paix éternelle à son âme, a créé un cadre, l'école. Il s'est choisi des hommes et des femmes pour l'aider à réaliser son rêve et concrétiser sa philosophie avec le concours d'une équipe, les autorités de l'école et le professeur. Nous célébrons aujourd'hui nos professeurs comme pour leur dire combien nous les apprécions. Les professeurs ont eu et auront toujours la lourde tâche de nous communiquer cette idéologie et ces principes sacro-saints de toujours exceller. Ils l'ont fait avec brio, de sorte que nous avons une belle réputation. Bana Malula, Bana Maele, Bana Yaba Français. Merci parce que vous avez accompli votre tâche étant rigoureux avec nous tout au long de notre cursus scolaire. Vous nous avez enseigné la discipline, car souvent vous avez été une main de fer dans un gant de velours. Aucun obstacle ne devait nous arrêter ou arrêter votre travail, même pas les intempéries qui faisaient que beaucoup ne travaillaient pas en temps pluvieux. Mais à Malula, la pluie n'est pas un motif d'absence. Merci pour votre dévouement d'être allé au-delà de l'enseignement,
car souvent vous étiez aussi à notre écoute. Pour mieux communiquer un savoir, il faut d'abord rester silencieux et écouter. Écouter pour connaître et ainsi connaître les besoins de tout un chacun, de nous, enfants, élèves et chacun dans sa spécificité. D'où vous n'étiez pas qu'en classe ou dans la salle de professeur, mais aussi dans la cour de récréation. D'heureuses mémoires, notre prof Kajimba faisait la route ensemble avec les élèves de l'EMBA. Merci et bonne retraite. Merci. Merci aux anciens de partout dans le monde qui ont embrassé cette initiative d'apprécier et de reconnaître nos professeurs et qui ont démontré, encore une fois, que nous sommes d'abord une famille. La famille Maloula, une famille qui travaille dans la discipline, avec rigueur, pour ne donner que les meilleurs d'elle-même. Car les meilleurs et ma destinée. Merci et prends-vous. Nous remercions Madame la Présidente. L'école est ici représentée, valablement représentée. C'est pourquoi nous invitons M. Charles-Luc Ngoudi qui va ainsi prendre la parole au nom de l'école. Oui, M. Charles-Luc Ngoudi. Pour la parole au nom de l'école. Voilà, il arrive, on l'encourage. Voilà, merci. Madame la Présidente, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Madame la Présidente, pendant que nous passons la parole à celui que l'école a envoyé pour assister à ces bel événements. Mesdames et messieurs, chers anciens de Maloula, bonsoir. Je suis M. Charles-Luc Ngoudier, le président de la délégation syndicale du complexe scolaire Kadam Maloula. Quand nous avons reçu le message de cette initiative au niveau de l'école, nous étions très émus. L'information a circulé comme une traînée de poudre. La sœur coordinatrice nous a convoqués dans son bureau pour en savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Elle m'a chargé d'abord de vous remercier très sincèrement pour cette belle initiative, ô combien louable. Comme l'a dit la présidente, c'est une première, alors une première. Reconnaître le travail abattu par vos formateurs, c'est vraiment la première fois que nous puissions avoir cet honneur. La révérende sœur coordinatrice et tous mes collègues membres du personnel m'ont chargé de vous transmettre leurs remerciements les plus sincères. C'est vrai, cette initiative vient de commencer. Nous souhaitons qu'elle puisse perdurer pour les générations qui vont suivre. Nous remercions aussi les collègues que vous allez honorer aujourd'hui, qui ont travaillé pendant des années et des années, qui ont donné toute leur vie, tout leur temps, toutes leurs connaissances pour le bon fonctionnement de cette alma mater. Aujourd'hui, vous avez pensé au personnel passif, donc le retraité. Quelle inspiration vous arrive aussi à soutenir les personnels actifs qui continuent à œuvrer et à former ceux qui vous ont
remplacé dans cet alma mater. Et aussi, de belles initiatives peuvent aussi naître pour soutenir les infrastructures qui vous ont logé pendant des années. À l'heure actuelle, un bâtiment est en train d'être construit pour faire fonctionner toutes les directions dans l'unique vacation, donc seulement avant midi. Et il nous faut plus ou moins 32 classes. Si un soutien viendrait aussi dans ce sens, ça sera vraiment une très bonne chose. Nous n'avons pas beaucoup à dire ici. Si ce n'est qu'encore une fois, au nom de tous les membres du personnel, vous dire sincèrement merci. Merci parce que vous avez manifesté votre acte de reconnaissance aujourd'hui. Ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pensons que, comme nous l'avons dit dans notre introduction, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Puisse l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu des miséricordes, vous combler de toutes ses grâces. Que le flambeau de son éminence, Joseph Albert Maloula, rayonne toujours en vous et autour de vous. Je vous remercie. Nous remercions M. Charles-Luc Ngodi qui venait ainsi de prendre la parole au nom du complexe scolaire Cardinal Maloula. Madame la Présidente a oublié un mot quand elle a fait son discours et elle voudrait juste compléter. Nous avons ouvert aussi les buffets. Comme ça, progressivement, les gens vont commencer à laisser servir. Et après, on reviendra pour continuer notre programme. Ce que la présidente vient de dire, c'est-à-dire le buffet est ouvert, est servi. Et bien sûr, le service de protocole de Sultani Hotel, qui m'est lié en copie là, va se charger de diriger les AM, les retraités, les invités, les alliés des AM, parce qu'il y a des épouses hein, qui sont avec nous ici, hein. Les alliés, les maris aussi. Hein, le service des protocoles va les diriger petit à petit vers les buffets et nous allons continuer notre soirée. Nous vous souhaitons un très très bon appétit. Mais on va continuer parce qu'on a dit pendant que Sultani Hotel, c'est-à-dire le comité de retraités, si on peut commencer par nos retraités, ce serait une bonne chose. Hein. On commence avec eux, comme Sultani Hotel ne les connaît pas. Si nos amis de... Oui, allons-y, vous pouvez... aider le protocole pour déjà diriger vers le buffet nos différents AM, à commencer par les retraités, s'il vous plaît. Mon Baba Song est en train de me lire en copie, là. Si on peut commencer par leur table, ce serait une très, très bonne chose. Merci encore une fois, bon appétit. Mais je rappelle que le micro est là. Zaiko Langalanga est là, mais Zaiko n'intervient qu'à la fin. Toro Vimba Sikote, moi, Mouké. Zaiko intervient à la fin, après la remise des cadeaux qui va intervenir, après la vraie mise en retraite officielle des anciens du complexe scolaire Cardinal Maloula au professeur. Ce n'est qu'après que Zaiko va intervenir. Mais pour l'heure, je libère Madame la Présidente, mais qui est avec nous, parce que c'est elle qui va, dans pas très longtemps, procéder à la remise de ce qui est prévu pour nos professeurs. Le micro qui est là, c'est pour ceux qui ont des témoignages à faire là, maintenant, tout de suite, sur ces professeurs qui, dont la mise à retraite est en train d'être faite par les élèves. Une première, je l'ai dit, créée depuis 55 ans. Eh bien, c'est la première fois que cette association, dirigée par la dynamique Clara Kalala Lusamba, a eu cette très belle initiative qui a surpris d'une personne. Mais heureusement, votre présence... ici, dans cette salle, prouve à suffisance que vous étiez d'accord avec elle, que vous l'avez accompagnée jusqu'à matérialiser cette très, très belle idée. Je vais descendre avec mon micro et je vais choisir moi-même. Je donne le micro et vous me dites quelque chose là sur... surtout sur mon babasson. Je voudrais bien. Botongaye officiellement, hein, pendant qu'il est là. Professeur de physique. Hein. Bon appétit, mesdames. Bon appétit, messieurs. Bon appétit, les AM.
Bon appétit, les alliés des AM. Merci d'être là. Alors, ben voilà, en attendant que les DJ se mettent, je donne la parole à Fimpa. Moi, la classe, la bisou. Merci, mamie. Bonsoir. Je réponds au nom de Fimpa Ben Bakoka Guilin. Je suis de la 7e promotion. Alors, j'étais en 5e scientifique B. À la 5e heure, le professeur Mwamba Bassang Dibal donnait son cours de physique. Il m'a invité au tableau pour expliquer la loi de Pouillet, si je me rappelle. Alors, il m'a donné la craie. J'ai mis la formule sur le tableau, bien sûr, et je m'étais mise à expliquer. À un moment donné, j'ai dit, je crois que... Alors, le prof était dans tous ses états. Fimpa, arrête, arrête, arrête. Et le prof, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, Fimpa. Il m'a arraché la craie et dit, la physique est une science exacte. Tu ne peux pas dire, je crois. Fimpa, nous ne sommes pas dans une église pour croire. Et alors, il a repris la craie, lui-même il a expliqué, c'est le souvenir que j'ai gardé du professeur Mwamba. Merci. Une autre victime pour nous parler de Mwamba Basson. Cher AM. Bonsoir à tous. Je suis Angeline Mangana de la 21e promotion, une ancienne de Maloula. En fait, c'est pas vraiment un grand souvenir que je garde, mais je me souviens, une fois, j'ai approché le conseiller Mwamba, puisqu'à notre époque, il était conseiller. Il était en train de fumer. Je lui ai dit, monsieur le conseiller, fumer est préjudiciable à la santé. Alors, il me répondra, je vais arrêter de fumer le jour où tu vas m'emmener une grande boîte de lait, au fait. C'est le souvenir que je garde de lui. Voilà. Je suis M. Ben Ilunga, de la, je ne sais plus la promotion, mais j'ai terminé en 94. Voilà. Et je disais donc que M. Mwamba Sang est un professeur qui m'a particulièrement marqué. Et ça a été un professeur qui était assez particulier dans le sens où, autant on pouvait rigoler avec lui, mais en matière de cours, comme on dit, voilà, il y avait du tout. Il y a lié l'utile et l'agréable. Il savait recadrer assez rapidement. Et une des réactions qu'il avait souvent à mon égard, on va dire, quand on dérangeait, quand il nous arrivait de déranger, et c'était un mot qui était assez particulier, assez poignant, où il disait souvent, Monsieur Ilunga, vous m'indisposez, sortez. Voilà. Et alors, c'était un mot qui, quand on se rappelle avec des amis avec qui on a étudié, et voilà, et nous, c'était le mot vraiment fétiche, où vous m'indisposez, sortez. Mais vraiment, Monsieur Mwamba Bassang, c'est un monsieur qui m'a particulièrement marqué tout au long de ma formation, et aussi bien aux humanités qu'à l'université. Et je tiens particulièrement, j'ai tenu particulièrement à être présent lors de cette manifestation pour lui rendre hommage en même temps à lui et en même temps à tous les autres professeurs qui nous ont encadrés et qui nous ont soutenus et qui nous ont donné, comme on dit, le base pour nous permettre d'évoluer et de progresser dans notre vie active. Voilà, mais en tout cas, professeur, M. Mwamba Bassang et tout le reste, en tout cas, un grand merci pour tout et nous vous sommes reconnaissants. Voilà, merci. Et ancien de Maloula, ma promo, je ne sais pas, je vois encore quelques amis avec qui on a pu se battre avec Papa Ngeleka, je vois Thierry là-bas. Et tout ce que je garde ou tout ce que j'ai, si j'arrive même à me tenir debout aujourd'hui devant vous, c'est vraiment Maloula. Donc, merci à tous ces profs. J'ai une pensée là qui me vient à Madame Moukoua, qui a pu faire en sorte que je parle correctement français. Il y a... Je risque d'en oublier, le professeur Moulumba, je ne sais pas s'ils sont là. Donc, je ne sais pas.
tout ce que je peux dire à tous ces profs. Malheureusement, moi, je n'ai pas fini à Maloula, mais je l'ai commencé à 3 ans, 4 ans, jusqu'à mes 15 ans, 16 ans, ère adolescence et betting. Nakimi, nanga, nakoki, nanga. Ma kamboa compliqué, on était au Talaraba chaussée. Ya, mais c'est la base, c'est la rokuna, l'icolo, pour qui tarati dans la classe. Sous les bambous et tout ça. Donc, mais merci parce que la base et tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je puisse m'appeler ingénieur vient de Maloula. Merci à tous ces profs. Merci Trésor. Trésor Kimbuta. José Galaxy. Docteur. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr. Roger Galaxy Ngalamoulumé, alors de la 10e promotion. Dans notre promotion, nous étions dans la même promotion avec la présidente. Donc, il y avait 7 filles, 7 garçons. Et je me rappelle, il y avait toujours le professeur de français, Moulouaï, qui nous disait, imaginez une catastrophe naturelle arrive et tout le monde meurt sur la planète. Vous restez 7, qu'est-ce qui va arriver? 7 filles, 7 garçons. Il faudrait faire les choix. Alors, on commença à blaguer en faisant des choix. Alors, le professeur Mwamba, qui nous donnait le cours de physique, arrive. Il nous dit, mais écoutez, c'est quoi juste? Oh non, on lui raconte l'histoire. Mais il dit, je vais vous donner quelque chose. Les filles avec qui vous êtes en train d'étudier dans la même promotion ne seront jamais, jamais vos femmes. Elles ne seront jamais vos femmes. Pour les garçons, c'est à l'école primaire. Alors nous, on se disait jamais, jamais. Aujourd'hui, quand je me rappelle que ma femme, au fait, elle était en 3e primaire. Alors je me suis toujours dit, c'était un prophète. Merci beaucoup. Je me présente, c'est Popol Wachi Pawebe. Je suis de la 16e promotion. Et le témoignage que je peux donner vis-à-vis de mon école, c'est que partout où j'ai pu avoir l'opportunité d'aller, je n'ai jamais oublié mon professeur d'anglais. Mon professeur d'anglais, de l'époque, c'était le prof Jules Chimba. Et c'était la petite expérience. J'étais en 3e commercial A, je passe en 4e commercial. Et c'était lui qui devait nous dispenser le cours d'anglais. La première des choses, lorsqu'il entre, c'est dès qu'il était au couloir, il disait « Have a sheet of paper ». Question number one. Alors nous qui venions de la 3e commerciale, c'était le prof Kiboklo. Il était habitué à écrire au tableau. Et la particularité avec prof Jules Chimba, c'est qu'il dictait son cours et il l'expliquait. Alors c'était comme s'il parlait une langue nouvelle dont on ne maîtrisait même pas les méandres. Mais ça nous a beaucoup poussé, surtout celle de ma promotion. Pendant les vacances de Noël, nous sommes allés pratiquement la quasi-totalité, aller dans des centres d'anglais pour apprendre. Et moi, personnellement, le témoignage que j'ai eu certaines opportunités dans la vie, c'est grâce à cette maîtrise de cette langue-là. Mais non seulement cette langue, mais aussi le background qu'on a pu obtenir à Maloula. C'est ainsi que lorsque je vois nos professeurs qui sont parmi nous, j'aimerais bien leur dire merci pour tout. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, en grande partie, l'échelle que nous avons eue à escalader, c'est aussi grâce à vous et à votre discipline et la matière que nous avons eue reçue de vous. Merci une fois de plus. AM, anciens élèves du complexe scolaire Cardinal Maloula, devenu à un moment Molende, puis revenu Maloula jusqu'à ce jour, et qui continue à porter le nom de son illustre créateur, Joseph Albert Maloula Cardinal. Alors, je vais inviter Madame la Présidente. Madame la Présidente, qui va ici procéder officiellement à la remise des cadeaux. Des cadeaux pour honorer nos 5 professeurs. Le comité de bonne retraite, si ce comité peut accompagner Madame la Présidente pour la remise là maintenant des cadeaux aux 5 professeurs, bien sûr, au professeur Kajimba, ce sera à titre posthume. Sa famille ici représentée va recevoir ce qui est prévu affecté en son nom ici.
Et pour ce faire, nous montons sur le podium pour faire officiel Madame la Présidente, accompagnée de Monsieur Alfred Efekele, 10e promotion, et quelques autres membres du comité. Ce n'est pas une proclamation parce que les élus sont connus. C'est juste concrétiser, matérialiser ce qui a été préparé depuis la nuit des temps. Je vous en prie, Madame la Présidente. Je commence encore une fois par vous dire merci. Merci aux AM qui ont contribué. Et nous avons eu un montant total quand même de 10 000 dollars et plus. Et jusqu'à ces jours, ceux-là qui ont, je dirais, pledge, qui ont souscrit, ils continuent toujours à donner. C'est important que nous puissions les souligner. Donc, avec cet argent, ce que nous avons fait, nous nous sommes dit que nous pouvions acheter des parcelles aux deux professeurs qui sont le professeur Mwamba Bassong et le feu professeur Kajimba. Et en plus de ça, nous avons acheté des congélateurs à tout le monde. Et nous avons des certificats par rapport à ça. Nous avons acheté les stabilisateurs pour tout le monde parce que on s'adapte. Il ne faut pas qu'on offre quelque chose et qu'après, qu'on ne sache pas l'utiliser parce que le courant est incertain. Et voilà. Donc, nous allons pour l'instant appeler le professeur Mwamba Bassong pour lui présenter notre chèque qui symbolise l'achat de la parcelle, qui sera donnée effectivement en argent. Voilà, notre professeur. En fait, moi aussi, hein, j'ai un témoignage. En maths physique, mon prof de maths physique. Alors, quand vous revenez, souvent nous l'avions à la première heure, hein, donc on n'a pas beaucoup étudié, surtout quand on ne vous dit pas qu'il y a interrogation. Et alors, il explique, il donne son cours et puis il dit, ah, on va prendre un coca en cours de route. Donc, vous savez que c'est un quart de feuille que vous allez prendre avec une interrogation pas du tout préparée. Mais c'est un papa. En plus d'être un professeur, il nous connaissait. Il connaissait ce que nous étions. Et nous vous disons merci. Et merci beaucoup. Et voici le chèque que le professeur Mwamba Bassong va retirer là où on va lui dire, seul, sans se faire accompagner, et bénéficier ainsi de ce que ses anciens élèves ont prévu pour lui pour la bonne sortie de cette retraite. Il y a aussi, il est prévu également un diplôme, madame, un diplôme de mérite à Mwamba Bassong. Et on clôture avec un bon de livraison de congélateur. Voilà. Le chèque du montant qu'on ne dit pas a retiré seul le diplôme de mérite, mais aussi ce bon pour retirer le congélateur. Professeur Mwamba Bassong, merci beaucoup. Merci pour tout. Les AM vous remercient pour tout. Chers membres de l'AM, merci à tous les anciens. Ce que je retiens est que je vous recevais tous à l'âge de puberté. Certains étaient turbulents, très turbulents. Et il fallait être vertébré pour les gérer. Certains étaient doux comme les agneaux. Ah, et comme il voit. Alors, nous avons pu gérer tous ces enfants-là. Nous avons appliqué la devise de l'école qui était imposée par le cardinal Malula. Le meilleur est ma
destinée. Le meilleur est ma finalité. C'est-à-dire, vous êtes né pour le meilleur. Il fallait des gens pour vous rendre meilleur. Et tel que je vous vois, vous êtes tous devenus meilleurs. Merci beaucoup. Et les objectifs du cardinal Malula ont été atteints. Merci, Madame Présidente. Merci, Maman. Merci, Mwamba Bassom. Alors, le deuxième chèque. Nous allons faire appel à la famille de professeur Kajimba. Je crois qu'il y a son fils qui est là. Et sa fille ? Oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Un témoignage poignant, un témoignage fort. J'ai parlé avec la femme du professeur Kajimba et qui m'a dit ceci, que le professeur Kajimba lui disait toujours qu'il a été créé et qu'il est venu au monde pour transmettre l'intelligence, qu'il était là pour nous aider à être intelligents. Et ce n'était pas faux, parce qu'il était toujours parmi nous. Ceux-là qui ont connu le professeur Kajimba, même ceux-là qui n'ont pas été dans sa classe, ils le connaissaient. Et ils avaient souvent une relation personnelle avec lui. Et nous vous disons merci. Et je me dis, vous devriez être fiers. Fiers d'avoir un père comme le professeur Kajimba. Et nous vous disons merci aujourd'hui. Il n'était pas possible qu'on ne puisse pas ne pas l'honorer aujourd'hui. Merci. Il y a les certificats qu'on va donner à... Et bon de livraison. Bonsoir à tous. Moi, c'est Redi Kajimba, le fils aîné de mon défunt père, M. Jean-Marie Kajimba, qui a été professeur et ensuite directeur à l'école Malula. Mais là, je le représente parce qu'il n'est plus. Si aujourd'hui, je suis devant vous, parce que hier, lui, il était devant vous. Des élèves exceptionnels, comme lui aussi, un professeur exceptionnel. Il nous a toujours dit à moi, à mes frères et à mes soeurs et à maman, qu'il était né pour enseigner. Et il savait comment il le faisait, et Dieu seul savait comment il le faisait. Il le faisait avec tact, manière, façon et technique. Et il associait son enseignement avec l'humour, raison pour laquelle il a toujours mis tout le monde à l'aise. Et à nous, ses enfants, il nous a dit que je vais vous laisser, je vais vous léguer comme héritage mon nom. Partout où vous passerez, vous serez reçus. Et bien reçus, en tout cas. Il y a une de mes sœurs qui a vu un ancien de Malula aussi, le pédiatre Nzambi, qui l'a reconnu par son nom et l'a traité sans problème. Et il y a eu aussi un autre docteur, le professeur Yanga, qui a reçu aussi une de mes sœurs, qui l'a reçu sans pour autant le faire payer la facture, juste par le nom de papa. Et associé à ces grands actes que nous venons de recevoir aujourd'hui, nous allons pérenniser ça et faire voir aussi à ses petits-enfants et sa génération que ce qui était papa. En tout cas... Quant à moi et à toute la famille, nous tenons à vous remercier infiniment. Et nous demandons aussi un grand merci à toute personne qui a mis sa main dans la poche pour contribuer à ces gestes, en tout cas. Merci à vous. Voilà, nous avons les professeurs, mais nous avons la direction. Nous avons ceux-là qui sont dans l'administratif, qui font que
tout marche comme il se doit, qu'on puisse créer ou écrire les interrogations, qu'on puisse nous repartir dans différentes salles parce qu'on ne doit pas tricher, et tout ça. Mais nous avons un grand qui est là. Et en fait, c'est lui qui a fait 41 ans à l'école. Et la petite histoire, le témoignage, n'est-ce pas que c'est lui qui a amené la lettre d'engagement du professeur Mwamba Basang? C'est monsieur Kalala Machine que nous applaudissons. Et veuillez, s'il vous plaît, venir. Nous invitons monsieur Kalala Machine qui va ainsi recevoir demain de la présidente le diplôme, mais aussi le bon des livraisons pour le remercier pour tout. On applaudit monsieur Kalala Machine, AM. Merci. Diplôme de mérite, mais aussi le bon de livraison pour retirer un congélateur. Monsieur Kalala Machine, un mot. Je ne suis pas de nature à haranguer, mais j'aurais tout simplement un petit mot à placer pour dire que ça, c'est une grande première dans l'histoire du complexe scolaire Cardinal Malula. Depuis deux générations, pour ne pas dire des promotions, plus de 30 promotions, je crois. Et aujourd'hui, les retraités de Malula sont valablement honorés par les anciens de ce grand complexe qui se place parmi les 5 premiers de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé à Malula en 1979. Donc, je fais à peu près 41 ans des loyaux services, mais dans l'ombre, parce que je n'étais pas aperçu par la plupart d'entre vous. Et pour lier l'utile à l'agréable, ceux qui se donnaient en classe pour le matérialiser, ça devait passer sous mes doigts, les questionnaires, pour que vous soyez évalués. Ce que je garde de Malula comme souvenir, c'est que Malula, comme sa devise l'a dit, le meilleur était sa destinée, et tous, nous comme vous, nous sommes passés dans cette école qui est une institution comme une grande école de la vie. La discipline, l'honnêteté, le travail, la ponctualité. Et je me souviens une fois, je crois que c'était en 1979-80, et Malula avait l'habitude quelquefois de réunir les finalistes pour leur parler. Et quand il parlait, il évoquait la notion du temps. Il dit, en Europe, le temps est comme l'oiseau, et si vous ne le saisissez pas, il est parti. Mais il regrettait de voir que, au pays, les gens ne respectaient pas l'heure, n'avaient pas la notion du temps. Et vous allez peut-être vous étonner d'entendre le cardinal dire que c'est comme nos femmes, les femmes zaïroises. Là, à l'époque, c'était encore les Zaïres. Aller voir marcher, sont en train de traîner leur carrosserie, alors qu'en Europe, vous voyez les dames là, et là, exhibent un peu, hein, montrer comment les dames marchent pour respecter le temps, être rapides. Une fois encore, le cardinal, dans une salle, parlant aux finalistes, il se demandait, est-ce que parmi vous ici, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui peuvent prendre la relève de la direction de ces pays? C'est qu'il voulait voir quand même les ressortissants du complexe Cardinal Malula diriger ces pays un jour. Et Malula,
lors de grandes dates, de dates marquantes, le 19 mars, comme le 14 juin par exemple, il y avait des activités culturelles à l'école. Il y avait le théâtre, la déclamation, des poèmes. Et une fois, quelqu'un qui avait mal déclamé le lac de la Martine, Maloula en soutane s'est levé pour dire non, ce n'est pas comme ça. Et il a essayé de déclamer ça avec des gestes à l'appui. Il n'y a pas que des souvenirs que nous pouvons garder du complexe scolaire Cardinal Maloula. Dans ces souvenirs, il y a les activités culturelles qui réunissaient tout le monde, de l'école maternelle jusqu'aux humanités. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations. Alors, Madame la Présidente, nous continuons. Nous invitons qui? Malangu Kishi Selio. On dit Maloula, c'est une famille, la famille Maloula. Ça fait 20 ans qu'il a travaillé à l'école et c'est celui-là qui nous gardait, qui était à la porte et qui surveillait. Tout s'était né. Malheureusement, j'espère bien qu'il y a des gens qui ont des témoignages à son égard. Moi, je suis de la vieille école, je suis de la 8e promotion. Donc, mais nous vous disons merci. Voilà. Alors, Madame la Présidente va remettre là, maintenant là, le diplôme de mérite à Celio Malango, 20 ans au complexe scolaire Cardinal Maloula. 20 ans, 5 mois, il précise, hein. 20 ans, 5 mois pour ces bons et loyaux services. Il y a aussi ce bon de livraison pour retirer un congélateur, M. Celio Malango. Et un petit mot à l'intention de ce beau geste posé par cette association. Et je n'aurai pas beaucoup à parler. Tout a été déjà dit. J'ai commencé à Maloula en 2001. J'avais demandé à mon Dieu à ce que, comme je suis entré par la porte, que je sors aussi par la porte. Et Dieu m'a donné cette occasion. Je remercie aussi notre alma mater, ce qu'il avait dit. Le meilleur est ma destinée. Vraiment, ça a été bon. Avec nos chefs et tout le monde. Et c'est bien passé. Et je termine par là, s'il vous plaît. Avec votre invitation que vous m'avez invité ici, ça m'avait tout droit au cœur. Je suis venu ici seul, mon épouse n'est pas là. On nous avait invités depuis très longtemps, mais j'ai dit à ma femme que le samedi, il faut être prête qu'on part ensemble. Au lieu d'aller tresser les cheveux le jeudi et le vendredi, elle est allée tresser aujourd'hui. Alors, ça m'a fait mal. Alors, je termine par là. Merci beaucoup. Malangu Selio, 20 ans complet scolaire Cardinal Maloula. Et nous terminons, Madame la Présidente. Par Kabea Moulopo, qui a travaillé à l'école primaire, deuxième direction, dans l'administration. Elle n'est pas là? Ok, voilà. Alors moi je veux garder pour lui, hein. Je veux garder pour lui ce bon de livraison. Alors, Madame la Présidente, il y a une surprise qui nous vient d'un AM au niveau de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est? Voilà, nous avons les... Je me dis, Maloula, vous êtes des gens merveilleux. Je vous aime. Parce que... Merci. Parce que tout le temps, nous sommes toujours surpris. À chaque fois, l'un de nous sort toujours de l'ordinaire pour briller. Nous avons organisé cette activité et nous avons cotisé. Mais il y a un AM de loin qui est membre de la commission. Après avoir cotisé, après avoir sponsorisé l'événement, il est parti de lui-même. Il a acheté des cadeaux personnellement pour les professeurs. Nous avons des fers à repasser. Nous avons des congélateurs et ventilateurs. Si on peut les amener...
juste un échantillon qui est là. Et nous lui disons merci de l'Afrique du Sud. Il les a achetés, il a payé les transports, il tenait à ce que ça soit ici. Et nous lui disons merci et merci beaucoup. Il s'appelle Haïdar Bonga et il est écrivain. Et dans le forum, nous l'appelons le professeur. Et de là où il est, s'il nous suit, merci Haïdar. Haïdar Bonga, le professeur dans le réseau, c'est ça? Alors c'est lui qui vient de faire ce cadeau. L'eau en poudre, c'est comme ça on l'appelle. Hein, aux cinq professeurs, personnes retenues par AM. Voilà, voilà, voilà. Le cadeau arrive du professeur. C'est à titre symbolique qui va être remis tout à l'heure à nos cinq retraités. Madame la Présidente, prière récupérer les cadeaux afin de les montrer. Voilà, c'est un ventilateur, un fer à repasser, voilà, qui nous vient d'un AM depuis l'Afrique du Sud à remettre au professeur dans le cadre, bien sûr, de cette soirée organisée pour la mise en retraite. On est pratiquement à la fin de cette partie officielle et nous saluons et remercions la présence d'une ancienne, d'une AM, l'honorable Henriette Wamou. Merci honorable, ancienne du complexe scolaire Cardinal Malula, toujours au sein de cette association, quoi qu'il arrive. Merci encore une fois. Et cette soirée, pour qu'elle puisse se matérialiser, AM a eu l'appui de quelques sponsors. Et ici, nous avons Airtel, Airtel Congo. Et nous invitons à l'occasion M. Justin Junior, M. Junior Combo, que nous applaudissons. AM, Bobetele, Maboko. Airtel. Bango, Ebiram, Airtel. Airtel. Kunaramete. Ah, merci. Alors, Junior Combo, responsable commercial pour la commune de la Gombe, va parler au nom de Airtel Congo. Bonsoir à tous. Je tiens premièrement à remercier la présidente, madame Clara Lusamba, et tout le comité de nous avoir associés à ces grands événements. C'est vraiment une fierté pour nous d'assister à cette activité. Félicitations pour l'organisation. Au nom de mon directeur que je représente ici, je félicite tous les AM ici présents. Pourquoi nous avions choisi d'accompagner cette activité? En quelques mots, parce que Malula, comme Madame Clara l'a dit, c'est Bana Mayele, Bana français, et le produit que Malula met sur le marché, c'est encourageant. La preuve en est que devant moi, j'ai un collègue que je vais demander de monter à côté, M. Patrick Mihirou, qui est aujourd'hui agent Airtel, mais ancien de Malula. Donc, ça, c'est le preuve palpable que vous voyez. Alors, pour couronner cette activité, nous avons prévu quelques cadeaux pour ces vaillants professeurs qui vont en retraite aujourd'hui. En passant, nous avons le même initial. Chez vous, c'est AM, ancien de Malula. Nous, c'est Airtel Money. Donc, nous utilisons les mêmes initiales. Je pense que ce partenariat va demeurer toujours. Voilà, dans ces paquets, nous avons de petits cadeaux. Le modem que je vous recommande ce soir d'acheter, il ne coûte que $45. À l'achat de ce modem, vous avez 20 gigas gratuits avec la meilleure connexion internet. Donc on a 5 cadeaux pour le 5 vaillants professeurs. Il y a deux casquettes. Ça c'est pour les professeurs. Ça c'est pour le professeur, oui, mais vous pouvez en a procuré à la porte. Merci et bonne fête, le AM. Merci, Airtel, qui va remettre les cadeaux à Mwamba Basson, les enfants Kajimba Mukadi Diembo, Malangu Kishiselio, Kalala Machini, mais aussi à Kabuya Moulopwe. Alors, AM,
avant ça quoi banda il faut tout la sage biso to yebi ko yembat to ça moi liso la biso moko akala wala alors am nyo so zalé a telema parce que nous allons commencer. On va chanter l'hymne des am, on va chanter am ça y quoi combien à moi ton qui va entonner mais am debout on y va qui entonne trésor entonné. Trésor, il y a quoi, Antoine? Trésor, il y a quoi, Antoine? 5, 4, 3, 2, 0. Maloula, 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 discipline, travail, soyons studieux, appliquez épaules et nous ferons la joie de nos parents. Unissons-nous, car nous formons une famille, la famille Maloula, 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 Maloula. Maloula, discipline et travail, soyons studieux, appliquez épaules et nous ferons la joie de nos parents. Unissons-nous, car nous formons une famille, la famille Maloula. Maloula, Maloula, Maloula. Discipline et travail, soyons studieux, appliquez épaules et nous ferons la joie de nos parents. Unissons-nous, car nous formons une famille, la famille Maloula. Maloula, Maloula, Maloula. Maloula, Maloula, Maloula. Discipline et travail, soyons studieux, appliquez épaules et nous ferons la joie de nos parents. Unissons-nous, car nous formons une famille, la famille Maloula. Maramba solo lingue banda. Mais avant, madame la présidente, avant Zaïko, à Vimbisa, rapidement présente-nous les 17 membres de ce comité. Nous allons faire appel à la commission qui a travaillé pour que nous puissions réussir l'événement, qu'il puisse passer devant, et nous laisserons la parole à notre chef, les cordeaux, on l'appelle. Coordinateur, s'il vous plaît, Jeff Tiombo, et avec tous les membres de la commission, si vous pouvez venir. J'aimerais spécifier quelque chose. Les membres de la commission, nous avons travaillé, il y a des gens qui n'étaient pas là. Nous avons des gens au Canada, en Afrique du Sud, à Bruxelles, aux États-Unis et à Kinshasa. C'est comme ça que nous avons travaillé. Tous les jours, par semaine, on avait des réunions trois fois semaine, mardi, jeudi, samedi, à 19h. Et dans la rigueur, nous avions notre, comme on dit, capita. Elle est au Canada, Noël, que nous saluons. Quand on arrivait en retard, on payait de l'argent, parce qu'on disait que ça, ce n'était pas Maloula. Et quand on s'absentait, sans justification, on payait de l'argent, pour vous dire combien c'était sérieux et engagé. Bon, nous avons notre chef, les cordeaux. Voilà, il va présenter tout le monde. Ok, bonsoir. C'était un réel plaisir pour moi de coordonner cette commission. Et c'était plutôt un exercice agréable. Nous avons connu de temps forts, nous avons
ses lèvres humaines. Il y a des moments où même il y avait des tiraillements, on ne s'entendait pas, il n'y avait pas de compromis. Mais à la fin, c'était toujours en famille, en AM que l'on clôturait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous sommes là et avec cette magnifique équipe que vraiment, je vous demanderai d'applaudir et sans aménagement. Beaucoup de défis, n'est-ce pas? Et un des plus grands défis, c'était justement la mobilisation de ressources. Je vois ressources humaines, ressources financières, etc., que nous avons relevé avec brio. Donc, moi, c'est Jeff Chiombo. Donc, j'étais à la coordination de l'équipe. Moi, c'est Hugo Mbouyou. Moi? Oh ben non, nous sommes des membres de la commission. Personne ne s'est occupé spécifiquement à une chose, quoi. Donc, nous tous, nous avons travaillé en équipe. Et, ouais. Sixième promotion, s'il vous plaît. Bonsoir. Maths physique, hein. Bonsoir, moi c'est Mamie Kialayamungu Lucie, je suis la event planner, je suis de la promotion 97-98. Merci. Bonsoir tout le monde, moi c'est Madame Isabelle Moquet, connue par le nom de Isa Doré, donc 10e promotion, nous avons travaillé en équipe. Bonsoir à tous, moi c'est Angeline Mangana, connue sous le nom de Abigail dans le forum de la 21e promotion. Merci. Bonsoir à tous, c'est Madi Manwana, MTN pour les intimes, 15e promotion. Bonsoir à tous, moi c'est Alfred Efekele, 10e promotion. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, moi c'est Jean-Jacques Maloulou. Je ne saurais pas vous dire de quelle promo je suis, mais je sais que c'est de l'année 1996. Je suis AM de Bruxelles. J'ai dû dédier un voyage pour venir honorer nos professeurs. Voilà. Et moi, c'est Clara Kalala. Je suis de la 8e promotion. Voilà. Donc, nous remercions les membres de ce comité formidable qui a bâti un travail de titan, M. Alfred Efekele. Vous voulez faire un témoignage? Alors, mesdames et messieurs, chers AM, chers invités et chers alliés, honorable Henriette Ouamou, Henriette Ouamotamina, vous avez un témoignage, honorable? Quelque chose à dire? Moi, Liloba. Moi, Yosa Imotouabato. Yosa Motouabato. Yo, Liakanabato. Moi, mon kakosu, on a dit solo, yo. Au moins, Nazo Kita, na micro. Nazo Kita. Honorable Aloba Moua Mouke, Yazali Moto Abato honorable. Yessika Bato Basangani, Soeka Kobaluki, Ozone Nassima, Henriette Ouamou Mouyewana, Zangakate, Moto Abato, Ali Akanabato. Député national. AM de Bruxelles, je peux passer, AM de Bruxelles. Merci. Honorable Henriette Ouamou. Balekio yayo bazuli kanisi linzenga ya kotinda ba professeur na retraite ba pesa moins loco yo mama bane bele yaya baleki moto abato moi lilobosa na ona likambo yo atala za posa oyala kundel pe il faut que obimisa ngana écran en tout cas na loba mingi te d'abord ko féliciter bande konanga ya AM de bazuli kanisi wana. Il y a aussi un professeur qui est en retraite. Et en passant, je veux féliciter le professeur Nyoso. Pour les lots, ceux qui ont été ici, ils ont été reliés à sa famille. Ils ont été prof. Et moi, je suis très bien ami. Je suis très importante. Mais le prof Swana a joué un rôle avec les parents de Bissot. Et les lots ont été battus. Ils ont été battus. Il y a un moment où je suis allé à la maison, je suis allé à la événement, je suis allé à la maison, il fallait que je sois en retard, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison.
Mais en tout cas, coup de chapeau à ma prof Nabiso, à Tangisi Biso Kitoko, l'opéto comme moi, à toutes. Donc, Minga Olobezate, moi, souvenir, mon cas, Zakakata, en tant que Zaki Namaloula, ma Katanga Souki Kovo. Bakatanga suki kovo. Eza po likama mobulu teme po la zai mwasi kitoko. Bazao komelanga ba mikanda ba poésie. Bakanga na ba prof na école. Ba convoquer ba parents. Ba parents ba papa ayé papa zaki chien méchant. Ayé koya koya ayé koya wana. Ayo ki lisolo mukanda bazo komelanga na otanga koma mutango te po na bo obimisa en écran. Aza vivant mais ndimite azalia wa. Ne bakatanga kovo na papa na ndako abi yo lokwa kitoko le kiming fona longolo basuki no wana. Yango wana moni que moi souvenir à malo yango wana. Mais en tout cas merci, c'est une belle soirée et vraiment félicitations à tous. Merci. Merci honorable Henri Adouamou Atamina, député national. Parmi Bassoba, l'Assemblée nationale, il y a Zanakadi. Pembalo, à cause de la paix, à cause de la gag. Ah, Mbakoufotakaye gag. Ariadoua Mouhoumela. Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas la fin de la soirée, mais c'est le début des hostilités qui commencent. Nous avons dit pour ce bel événement, le comité a choisi le groupe mythique Zaiko Langalanga de Josar Nyokalongo. Un artiste et musicien qui n'a évolué que dans un même orchestre 50 ans jour pour jour. Un monsieur à féliciter pour son charisme et son professionnalisme, mais aussi pour l'étendard toujours plus haut élevé du groupe Zaiko Langalanga. Madame la Présidente, un mot. J'ai un mot. Apparemment, nous avons des AM qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Voilà. Cordon, si vous pouvez venir. Il y en a deux. J'espère bien qu'il y a, plus que deux. Et nous saluons aussi la présence de Christian Tshisekedi. Je sais qu'il était AM. Voilà, il est AM. Il est AM. Merci d'être venu. Voilà. Et il y a l'anniversaire de... Lama. Voilà, et il est là. On va... Bon anniversaire, bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous propulse et qu'il... répondent aux besoins le plus profond de votre cœur. Il y a aussi Lydie Mwanandeke, Lydie Love. Heureux anniversaire, ma très chère Lydie. Que Dieu te comble de ses bienfaits. Et donc, nous allons quand même chanter Happy, joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire, OAM, joyeux anniversaire. Merci Madame la Présidente, merci AM, merci distingués invités, merci les alliés. Alliés, mon collaborateur. Mobali, maman présidente, Azawapi. Bon gang. Docteur Patrick Mwamba, que nous applaudissons. Le mari de notre présidente. En tout cas, bonjour, bonsoir à tous. Je suis le docteur Patrick Mwamba, chirurgien capillaire, donc bateau Nosobazana Mabandi. Vous pouvez vous adresser à moi. Donc, en tout cas, je félicite beaucoup les anciennes Maloula parce que, bon. Pour ne pas être jaloux, il partage ma femme avec moi parce qu'elle prend trop de temps pour Maloula. Mais c'est pour une bonne cause. En tout cas, c'est un bon exemple pour nous et je vous encourage. Le meilleur est ma destinée. C'est vraiment ce que nous avons besoin pour ce pays. Et nous tous, même au niveau international, je tiens à ce que toujours on parle du Congo. C'est vrai que dans mon métier, j'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'être parmi les meilleurs dans le monde. Et chaque fois, j'essaie d'insister que je suis Congolais. Et au Congo, nous irons très loin. Merci, je vous remercie. Une précision, vous êtes docteur capillaire, il a signé. Chirurgien capillaire.
Oui, si quelqu'un perd les cheveux, donc c'est nous qui remettons les cheveux, etc. Ouais. Oui, j'ai en fait une clinique à Atlanta. Je suis à Atlanta. On a une clinique à Atlanta, à Bruxelles. Et là, maintenant, nous venons d'ouvrir, nous allons commencer les activités à Kinshasa. Et nous avons déjà opéré le mois passé. Cette année, je suis là pour encore des opérations. Et nous allons continuer dans ce sens. Merci, docteur. Alors, ma français, tu as le soutien. Et ce qui est ma professeur, je suis français, je suis très bien. Merci. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Donc, j'invite le groupe Zaïko Langalanga à monter sur le podium. Je rappelle, c'était la première édition de sortie de retraite. Et le souhait, c'est que ça ne s'arrête pas là maintenant. Et tout à l'heure, le représentant de l'école, M. Charles Ngoudi, a même souhaité que les AM accompagnent l'école maintenant là, avec les administratifs maintenant. Il y a ce projet de faire qu'il y ait qu'une seule vacation au niveau de Maloula, après midi et Sili. Tour à midi et aussi là. Ils sont en train de construire un nouveau bâtiment avec plusieurs classes qui fera en sorte que désormais, à Maloula, on n'y va que le matin pour rentrer le soir. Ils insistent que première direction, deuxième direction, c'est même au baquet Tongo, bah ouais, Kuna, les aussi. Alors maintenant, AM, Madame la Présidente, son mandat est renouvelable, c'est comment? Une fois? Une fois. Netina, ah bon bon, bon c'est bon. Donc, bah on s'enjette. Alors Madame la Présidente, qui nous lit en copie, va faire en sorte que la deuxième édition, que l'on s'occupe des administratifs en fonction, de manière à ce qu'on puisse finaliser ce nouveau bâtiment-là, pour qu'il n'y ait qu'une seule vacation désormais au complexe scolaire Cardinal Maloula. Est-ce que je peux m'arrêter de parler? Zaïko, on appelle sa micro. Merci. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Merci. Yeah.
Oh,
Thank you.